m'appelle Geoffrey Chauvin, donc je suis de Vendée. J'ai la passion du cheval et du coup je suis cavalier amateur de concours complet. Je suis venu découvrir ce que du coup je connaissais pas. Du coup j'avais mon week-end donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je connaissais pas du tout le lieu, je connaissais même pas l'île de Ré. Du coup on trouve ça vraiment très joli. Du coup on s'est dit pourquoi pas essayer. Le concours donnait envie. Et du coup on a testé et puis pour l'instant on est plutôt pas mal content du résultat et du site surtout et du paysage quoi surtout. Enseignant d'équitation et le coach en compétition pour mes chers petits cavaliers du club qui vont participer tout au long du week-end. Et on a fait les premiers tests qui sont le dressage ce matin. Là, vers 1h, on va commencer le CSO pour après partir sur le cross cet après-midi. J'ai du mal à l'avoir devant toi. On commence toujours par l'épreuve de dressage qui consiste à enchaîner des figures comme des cercles, des sessions à la jambe, tout ça. Après, du coup, entre les deux, on a le CSO, qui est de l'obstacle non fixe, donc des barres qui tombent, ce qu'on retrouve souvent à la télévision. Et après, on finit par le cross, que là, du coup, on part en nature, c'était du fixe, tout ce qui est tronc d'arbre. Voilà, mais c'est fixe, ça ne tombe pas. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus dangereux. Mais voilà, on est bien protégé, on a des règles de sécurité à avoir et voilà. J'officie en tant que juge. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai arrêté le haut niveau et puis que j'ai choisi de faire ça parce que la compétition, c'est mon truc. Et le rôle du juge, c'est d'être capable de noter les chevaux quand ils font une épreuve de dressage, de faire respecter le règlement, de trouver des décisions quand il y a des conflits et puis de contrôler le bon déroulement de chaque épreuve. Le plus important étant le dressage, parce que là, on ne peut pas nous remplacer. En général, au seul obstacle, il y a des personnes, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, on doit également reconnaître le parcours de cross pour contrôler qu'il soit bien au niveau de l'épreuve concernée. Partir en compétition me permet de faire mon planning de travail par la suite au niveau des entraînements avec les cavaliers, sur les petits détails que je vais travailler pour justement voir si ça marche sur la compétition d'après.